Et oui, nous savons que vous appréciez ce rendez-vous tous les matins sur Radio J. Vous avez reconnu le générique, c'est le procès du 13 novembre 2015 que l'on suit avec vous Michel Zerbi. Bonjour. Bonjour Ilana. Alors, c'est la suite des interrogatoires des accusés sur les faits eux-mêmes hein, qui euh, voilà, se poursuit avec Mohamed Bakali, ce Belge marocain de 34 ans, il est jugé pour complicité de meurtre en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminels. Il risque la prison à perpétuité. Alors, Michel, faites-nous vivre encore cette audience qui, comme celle d'hier avec Ousmane, le terroriste Mohamed Ousmane, a été très animé. Oui, Lana, je vais essayer. Euh, je vais m'y essayer. Bakali est accusé donc d'avoir aidé Salah d'Islam, les frères El Bakraoui, logisticien en chef de la cellule terroriste dans la préparation des attentats. Il a organisé une partie du rapatriement de certains membres des commandos vers la Belgique. Bakali a déjà été condamné à 25 ans de prison dans la partie de l'attaque de Thalys en, en Belgique, une peine dont il a fait appel. Alors, justement, au début de cette audience, Bakali va demander à intervenir. Il souhaite faire valoir son droit au silence. Je ne suis pas en capacité de répondre. J'ai eu un autre procès. Je suis allé avec beaucoup d'espoir. J'ai pris une peine très lourde. Ma parole est toujours suspecte, n'a pas de valeur. Euh, ce procès a été compliqué pour moi. Les cinq semaines de partie civile, ça m'a achevé. Je n'ai plus la force de me battre. J'ai le fait une fois. Je me suis battu. J'ai été condamné pour quelque chose que je n'ai pas fait. Alors le président Pérez va essayer de lui faire changer d'avis. C'est votre droit le plus absolu, mais c'est dommage. Et Envie que vous nous euh, dire tentez votre chance devant la juridiction. Ça vous risque d'être défavorable, dit encore le président. Mais je suis dans un cadre où tout m'est défavorable, euh, dit euh, l'accusé. J'ai retourné la question dans tous les sens et donc il ne dira rien. Alors le président a évoqué la radicalité de l'accusé, comme il l'avait fait d'ailleurs mardi avec le terroriste pakistanais Ousmane. Oui, cette radicalité de l'accusé à partir des éléments du dossier, l'étude de ses SMS qui montrait que nombre d'entre eux faisaient référence à la religion, à la prière. Au Coran, au Hadith, Bakali refusait que sa femme, par exemple, consulte un médecin homme ou qu'elle accueille un, un, qu accueille un technicien chez eux sans la présence d'un homme. Euh, en l'occurrence, il dira régulièrement... Là aussi, le président. Hein. On mmh. aurait aimé des éléments d'explication, mais toujours silence dans le box. Un certain désarroi du président de la cour. Alors, ce silence, Michel, va être vécu comme un mépris, une forme de mépris par les parties civiles. Oui, c'est Maître ouais. Schemla qui va se faire le, le porte-parole, avocat des partis civils, Il sera bientôt sur Radio J, euh, directement à l'accusé, dans un vibrant plaidoyer pour qu'il prenne la parole. Moi, je pense que si vous avez été touché, comme vous le dites, par les partis civiles, vous leur devez quelque chose. Pour celles, certaines, elles viennent tous les jours. Monsieur, vous avez, euh, après avoir dit que vous aviez été atteint par les paroles des victimes, ne vous enfermez pas dans l'idée que vous seriez le martyr d'un procès qui vous laisse toute votre place. Et Bakali avait pourtant parlé en novembre oui, en novembre, comme Osama Krayem, il avait choisi de faire valoir son droit au silence. Les débats s'annonçaient, quoi qu'il arrive, complexe avec cet accusé, logisticien, rappelons-le, supposé des attentats, qui lors de son interrogatoire de personnalité, ça c'était en novembre, on en avait parlé, il avait esquivé toutes les questions sur la religion. Laissez-moi répondre comme je le veux. Alors il faut préciser, Michel, que plusieurs témoins cités se sont fait porter pâle, sauf le frère de l'accusé. Exactement, à Belge, Majid Bakali le frère arrive à la barre vêtu d'une parquet claire. il est rasé, barbu. en fait, il ressemble à s'y méprendre ouais. à son propre frère dans le box. il décline son identité. il vit en angleterre. on a grandi dans un environnement très calme, convenable à l'extérieur de la ville. tout était bien à propos de son frère. il décrit quelqu'un de très calme, même l'un des plus calmes de la famille. c'est vraiment étonnant qu'on le retrouve dans cette affaire. et encore de vifs échanges entre la cour et le témoin qui est sous le feu des questions et des remarques. oui, et par exemple, maître seban, avocat des parties civiles, évoque ses clients qui ressentent le silence de Bakali comme un mépris. L'avocat de Bakali lui-même, maître Abraham Johnson, proteste, C'est comme ça que mes clients le ressentent, Et répond maître Seban en haussant le ton, les esprits vont s'échauffer régulièrement cet après-midi hier dans la salle d'audience. Et en l'occurrence, euh, Mohamed n'était pas du tout violent, c'était quelqu'un qui évitait les problèmes, qui était plutôt apprécié pour son calme, va répéter le frère Bakali, Il n'y a plus de questions. Le président remercie le témoin d'être venu aussi de si loin et d'avoir répondu aux questions. Mais euh, Ilana, il y a eu beaucoup de dénis, de mensonges et de mauvaise foi sur la, les bancs de la défense hier à Paris. Merci beaucoup, Michel Zerbi L'audience continue donc ce jeudi. À demain, Michel.